Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Rejoignez la tour de prière Summer avec la prophétesse Frida Manzioni et le pasteur Bienvenue Manzioni. Tous les mardis et jeudis de 22h à 23h au 09 72 61 93 80. Code d'accès 1077. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne. Alléluia. Bien-aimés, nous allons encore aller bénir et adorer le nom du Seigneur. Lui qui a permis que tu puisses encore être en vie maintenant. Lui qui a permis que les fléaux de l'ennemi ne puissent pas atteindre à ta vie. Lui qui a permis que ce que le diable a prévu contre toi ne puisse pas t'arriver. Lui qui t'a protégé. Lui qui a dépêché tes anges pour t'arracher du danger. Lui qui a permis que tu puisses dormir et que tu puisses te réveiller. Lui qui a encore renouvelé sa bonté, sa grâce dans ta vie ce matin. Nous allons lui dire merci. Lui dire merci, lui dire qu'il est bon, le célébrer pour sa grâce, le célébrer pour son amour à notre égard et le célébrer pour tout ce qu'il va encore faire pour nous en cette journée. Prions le Seigneur, alléluia. Oui Seigneur mon Dieu, nous te bénissons encore ce matin. Nous te bénissons ce matin, Seigneur, car c'est toi qui nous as encore gardés. C'est toi qui nous as encore donné ton souffle de vie ce matin. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, car nous reconnaissons que cela ne vient pas de nous. Nous reconnaissons que cela ne vient pas de notre force. Nous reconnaissons que cela ne vient pas de notre argent. Mais c'est ta grâce, Seigneur, qui fait en sorte que nous sommes encore debout ce matin. Nous te bénissons, nous te louons. Toi qui nous donnes la force, toi qui nous fortifies chaque matin, afin que nous puissions être, Seigneur, dans ta présence. Oui, Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Oui, Seigneur, nous croyons que, Seigneur, c'est toi qui vis en nous. Et c'est pour cela que nous avons cette force. Oui, Seigneur, nous puisons tout par Christ qui nous fortifie. Merci, car c'est toi qui nous fortifie. Et c'est pour cela que nous sommes encore là, devant le trône de la grâce, afin de te dire merci, afin de te louer, afin de t'honorer, afin de te magnifier. Je te loue, je te glorifie, je te bénis ce matin. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. C'est toi qui es le gardien de nos âmes. C'est toi qui es le gardien de nos maisons. C'est toi qui es le gardien de nos enfants. C'est toi qui es le gardien de nos époux. C'est toi qui es le gardien de tout ce que nous sommes, oui, Seigneur. C'est toi le gardien de mon âme. Je te bénis ce matin. Je te magnifie ce matin. Je reconnais ta grandeur. Je reconnais ta grâce dans ma vie ce matin. Je reconnais ton amour dans ma vie ce matin. Oui, la Bible me dit que non, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ce matin, je te bénis car je reconnais encore, Seigneur, tes compassions. Ce matin, je te bénis car je reconnais encore, Seigneur, tes bontés. Ce matin, je te bénis car je reconnais encore ton amour à mon égard. Je te loue, Seigneur. Sois béni, sois loué, sois magnifié dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, car tu es fidèle. Merci, Seigneur, car tu es fidèle et c'est ta fidélité qui nous garde encore. C'est ta fidélité qui nous protège encore. C'est ta fidélité qui nous fait encore grâce ce matin. Nous te bénissons, nous te louons, nous te magnifions. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour ton amour, Seigneur, à l'égard de la maison de chaque personne. Merci pour ton amour, à l'égard de la destinée de chaque personne. Merci Seigneur, sois béni, sois loué, sois magnifié Seigneur, sois exalté ce matin. Oh Père, reçois la gloire qui t'est due, reçois la gloire qui t'est due dans nos vies ce matin, reçois la gloire qui t'est due Seigneur, reçois la gloire qui t'est due. Tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne Seigneur d'être honoré, tu es digne d'être chanté, tu es digne Seigneur d'être magnifié, tu es digne Seigneur d'être respecté, tu es digne Seigneur mon Dieu mon roi d'être Seigneur, haut élevé. Oui, Seigneur, c'est pour cela, nous t'élevons encore ce matin. Nous célébrons ton nom glorieux. Nous célébrons ta grandeur ce matin. Nous célébrons ta gloire ce matin. Nous célébrons ton amour ce matin. Nous célébrons qui tu es ce matin. Nous célébrons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta force ce matin. Oh, nous chantons dès le matin ta force. David a dit, dès le matin, je chante ta force. Dès le matin, je chanterai ton nom. Dès le matin, je chanterai ta force. Oui, Seigneur,
Dès ce matin, nous voulons chanter ta gloire. Dès ce matin, nous voulons chanter ton nom. Dès ce matin, nous voulons te reconnaître comme le maître, le souverain, oh le souverain roi de nos vies. Dès ce matin, nous voulons reconnaître, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien. Dès ce matin, nous voulons reconnaître, Seigneur, que nous te donnons toutes nos vies, Seigneur. Nous te donnons nos vies et tout ce qui nous appartient. Dès ce matin, nous voulons reconnaître, Seigneur, mon Dieu, que à toi seul la gloire, l'honneur, Seigneur, et la magnificence dans nos vies. Nous voulons reconnaître dès ce matin que c'est toi qui es digne d'être honoré, que c'est toi qui es digne d'être adoré, que c'est toi qui es digne d'être magnifié. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Bien-aimés, ce matin, nous allons encore prier. Nous allons prier pour contrecarrer toutes les mauvaises paroles qui ont peut-être été dites contre nous ou que nous-mêmes nous avons dit contre nous-mêmes. Alléluia. Nous allons contrecarrer toutes les mauvaises paroles dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous allons contrecarrer toutes les mauvaises paroles qui ont été dites contre nous. Il y a peut-être des mauvaises paroles qui ont été dites contre toi, mais tu n'es même pas au courant. Il y a peut-être des mauvaises paroles qui ont été dites contre ta vie, contre ta destinée, contre ta famille, mais tu n'es même pas au courant. Alléluia. Et quand il y a des mauvaises paroles qui sont dites contre nous, nous devons bien aimer les annuler. Nous devons prier contre cela dans le nom de Jésus. Nous pouvons voir cela avec David. David face à Goliath. La Bible dit dans 1 Samuel 17 au verset 41, je veux lire au nom de Jésus. La Bible dit: le Philistin s'approcha peu à peu de David, donc on parle de Goliath, précédé de l'homme qui portait son bouclier. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. 43. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, écoutez bien cette phrase, et après l'avoir maudit par ses dieux. Alléluia. Bien-aimé, Goliath avait maudit David par ses dieux. Goliath avait donné des malédictions, avait dit des malédictions contre David au nom de ses dieux. Alléluia. Après l'avoir maudit. Ça veut dire que Goliath a eu recours aux démons pour vouloir vaincre David, puisqu'il priait au nom de ses dieux démons. Alléluia. Il a libéré des paroles de malédiction contre David. Bien-aimé, ce matin, nous allons prier contre toute mauvaise parole qui a été libérée contre nous. Alléluia. Il y a peut-être des mauvaises paroles que les hommes ont dit à ton sujet. Et ces paroles sont en train de te suivre aujourd'hui. Il y a peut-être aussi des mauvaises paroles que les médecins ont dit à ton sujet. Bien-aimé, même les médecins aussi ont des mauvaises paroles qu'ils peuvent dire contre toi. Mais des fois, pourquoi? Des fois, ce n'est pas leur faute. C'est parce que le diable va leur faire dire autre chose qui n'est pas la vérité. Le diable peut leur faire voir quelque chose qui est contraire à ta bonne santé. Tu es peut-être en bonne santé, tu n'as pas de problème de santé. Tu vas voir le médecin, ils font des examens. Mais le médecin voit autre chose, voit une maladie grave venant de l'ennemi. Alléluia. Et le médecin te donne la mauvaise nouvelle. Et toi, quand tu acceptes la nouvelle, cela devient une réalité dans ta vie. Amen. Le médecin aussi peut avoir une mauvaise parole contre toi. Parce que le diable veut lui faire dire une mauvaise parole contre toi. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui croient avoir une maladie grave, qui croient qu'ils sont vraiment malades, mais en réalité, ils ne sont pas malades. C'est le diable qui est rentré dans le cœur du médecin pour vous dire ça. C'est le diable qui a montré au médecin un faux résultat un résultat usurpé, ce qui n'était pas vrai. Lui, il a vu autre chose et il t'annonce une mauvaise nouvelle. Alléluia. Il y a peut-être aussi des incantations contre toi, des choses qui ont été dites dans le monde des ténèbres contre toi. Il y a aussi les mauvais sorts. Les mauvais sorts aussi existent. Ou encore, vous pouvez aussi voir, bien-aimé, des fois même des paroles que toi-même tu as dit contre toi-même. Les mauvaises paroles que nous disons contre nous-mêmes. Ces paroles aussi sont suspendues en l'air et nous réclament. Toi-même qui le dis. Je vais vous donner des petits exemples. Si tu es souvent en train de dire, mes maux de tête me dérangent beaucoup. Mes maux de tête. Tu es en train d'accepter ça. Mon mal de ventre. Alléluia. Ah, mais mon problème. Quand tu dis, tu t'identifies dans ce problème-là, sache que ce problème-là va subsister en toi. Pourquoi? Parce que tu te reconnais dans le problème. Mes maux de tête, ma douleur, mon problème, mes pauvres pieds, ou encore, tu es en train d'attirer le mal contre toi. Alléluia. Tu es en train de déclarer quelque chose que ça t'appartient. Alléluia.
mon problème, ma malédiction, ma difficulté. En tout cas, moi, ma difficulté. Non, faut dire non. Moi, en tout cas, la difficulté, c'est. Hein? Moi, la maladie, c'est. Moi, le problème, c'est. Mais tu ne peux pas dire mon problème, ma maladie. Moi, en tout cas, mon oppression. Moi, vraiment, ne prends pas ça pour toi. Quand tu prends, tu mets un pronom possessif et tu te reconnais dedans, cela va arriver ainsi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu reconnais dedans. Et cela, ça attire le mal contre toi. Alléluia. Donc, il est très important de faire attention à notre langage. Et des fois même, les paroles qui courent contre nous, ça peut être aussi des paroles de l'horoscope, comme j'ai toujours dit. Quand tu lis l'horoscope, tu as souvent tendance à aller voir, moi je suis Verseau, moi je suis Poisson. Tu vas voir qu'est-ce qu'on a écrit. Quand tu lis cela, ça t'arrive. Pourquoi? Parce que tu as mis ta foi dans ce que tu as lu. Et souvent, ça c'est des choses, c'est même pas souvent, ça vient du monde des ténèbres. Quand tu acceptes ça, tu n'es plus dans la destinée de Dieu, tu es maintenant dans la destinée du monde des ténèbres. Alléluia. Nous devons briser cela ce matin. Pourquoi? Tout simplement parce que la parole a la capacité de voyager dans le temps. Une parole qu'on a prononcée contre toi, une mauvaise parole, elle a la capacité de voyager. Elle ne meurt pas tant que tu ne la tues pas. Et dans le texte que nous étions en train de lire, nous allons lire ce que David a dit. Quand Goliath lui a dit, le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il méprisa ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux et de belle apparence. Et plus tard le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Ici, Goliath avait maudit David. Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit sur toi que tu vas mourir. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit sur toi que tu n'auras jamais d'enfant. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit sur toi que de toute façon tu ne vivras pas, tu ne passeras pas 50 ans. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit sur toi quelque chose. Mais écoutez ce que David a dit. Au verset 41 que la Bible dit, David a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, bien-aimé. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Alléluia. L'épée, la lance et le javelot peuvent représenter la sorcellerie. On marche contre toi avec le vaudou. On marche contre toi avec des fétiches. On marche contre toi avec la magie. Toutes les choses du monde de ténèbres, on met ça en pratique contre toi. Mais toi, ce que tu dois dire comme David. David a annulé la parole de Goliath. Il n'a pas accepté. David a dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu des troupes d'Israël que tu as mis au défi. Alléluia. Alléluia. Et au verset 46, vers la fin, il est écrit, David dit, aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Toute la terre reconnaîtra qu'Israël a un Dieu. Bien-aimé, devant les défis de ta vie, devant les combats que tu as, devant ce que l'ennemi est en train de mettre devant toi, tu dois dire que tu reconnaîtras que moi j'ai un Dieu. Tu vas le reconnaître. Alléluia. N'aie pas peur. Il ne faut pas avoir peur devant les adversités. Tu dois dire, tu reconnaîtras que moi j'ai un Dieu. Si toi tu as dit que je ne vais jamais y arriver, si toi tu as mis des limitations à ma destinée, tu dois savoir, tu reconnaîtras que moi j'ai un Dieu. Et David dit au verset 47, toute cette assemblée reconnaîtra que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ce matin que la bataille appartient à l'Éternel. Alléluia. La bataille appartient à l'Éternel. On a beau dire ce qu'ils ont dit, oui, c'est pas grave. Mais une chose est sûre, c'est que la bataille appartient à l'Éternel. Ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est l'Éternel qui combattra. Alléluia. Eux, ils viennent avec les fétiches. Et ils viennent avec la sorcellerie. Et ils viennent avec les malédictions de leur bouche. Mais toi, tu vas au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confessera que Jésus
Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Alors nous n'avons pas à avoir peur. Alors que nous sommes le matin, nous allons renverser toutes les paroles qui ont été dites contre nous. Vous savez, parole contre parole. Si on a dit quelque chose contre toi, toi aussi tu dois renvoyer. Alléluia. Tu dois renvoyer à l'expéditeur. Tu dois briser ça. David n'a pas attendu, n'a pas seulement écouté Goliath. Non, il a brisé tout de suite. Il a refusé la sentence de Goliath. Alléluia. Il a refusé la sentence de Goliath. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimé, nous allons prier. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons prier. Nous allons rentrer dans notre intercession. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu vas remercier le Seigneur ce matin. Tu vas lui dire merci encore ce matin. Tu vas lui dire merci parce qu'il est, il est ton abri sûr. Tu vas lui dire merci parce qu'il est ton rocher protecteur. Alléluia. Tu vas lui dire merci parce que c'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas toi qui combat, mais c'est lui qui combat pour toi. Tes combats ne sont pas tes combats, mais ce sont les combats de l'Éternel. Tu vas lui dire merci par avance. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci parce que si ce problème pouvait te tuer, tu serais déjà mort depuis longtemps. Mais il n'a pas permis. Il te tient encore debout. Il te tiendra encore debout. Alléluia. Au nom de Jésus, remercions le Seigneur ce matin. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin. Merci Seigneur, car tu es notre abri sûr. Merci car tu es notre rocher. Merci Seigneur, car c'est toi qui combats pour nous. Les combats visibles et invisibles. Seigneur, je reconnais ce matin que si ce problème pouvait m'emmener à la mort, je serais déjà mort depuis longtemps. Mais tu n'as pas permis. Tu n'as pas permis parce que c'est toi qui combats pour moi. Oui Seigneur, eux ils peuvent venir avec l'épée, avec la lance, avec le javelot. Et ils peuvent venir avec la sorcellerie. Ils peuvent venir avec le vaudou. Ils peuvent venir, Seigneur, avec la magie. Ils peuvent venir avec les talismans. Mais moi, je viens avec le nom de l'Éternel. Moi, je viens avec le nom de Jésus. Le nom de Jésus, sans lequel aucun homme ne peut être sauvé. Le nom de Jésus devant lequel tout genou fléchit. Oui, Seigneur, moi, je viens en ton nom. Je viens en ton nom, Seigneur. Je dis comme David, alléluia. Je dis comme David, Seigneur, que c'est toi qui vas combattre pour moi. C'est toi qui vas combattre pour moi. Car cette bataille n'est pas la mienne. Mais c'est ta bataille. Oui Seigneur, je te bénis. Je te glorifie Seigneur. Car tu es le rocher de ma forteresse. Tu es mon abri sûr. Tu es mon bouclier Seigneur. Devant les adversités Seigneur, je ne crains pas. Car c'est toi qui me protèges. Devant Seigneur les flèches enflammées du malin, je ne crains pas. Car c'est toi qui gardes ma vie. Tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui gardes ma destinée. C'est pour cela que je te bénis ce matin. C'est pour cela que je te glorifie ce matin. Car Seigneur, tu es mon assurance. Tu es ma force. Tu es Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, Père, ma joie. C'est pour cela que je te glorifie ce matin. Sois béni, sois loué, sois magnifié, Seigneur. Sois exalté. Oui, toi qui es mon abri sûr. Toi qui combats pour moi, Seigneur. Toi qui combats pour nous. Je te bénis. Je te loue, Seigneur. Je te magnifie. Je t'exalte. Alléluia. Je t'exalte, Seigneur, car en ton nom, nous avons la victoire. En ton nom, Seigneur, l'ennemi est mis sous nos pieds. En ton nom, Seigneur, nous avons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, la joie, la paix. Nous te bénissons, nous te louons ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour tes bontés, Seigneur, qui ne sont point épuisées. Merci Seigneur pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme. Que toute la gloire te revienne, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas dire au Seigneur ce matin, Père, je te demande pardon pour tout péché. Pour tout péché que je commets. Vous savez, il y a des péchés que tu peux commettre souvent. Toi-même, tu sais que tu tombes souvent dans ce péché. Tu vas demander pardon au Seigneur. Et tu vas aussi demander pardon pour toute parole de malédiction que tu as prononcée contre toi-même. Sans te rendre compte, à chaque fois que tu dis moi, mon problème, moi, et que tu te reconnais dans le problème, bien-aimé, tu commets un péché. Pourquoi? Parce que tu sais, comme si tu n'as pas confiance qu'il y a Dieu qui est là, il y a Dieu qui te soutient. Alléluia. Nous allons demander pardon pour toutes ces paroles que nous avons prononcées, peut-être par ignorance, peut-être nous ne savions pas, mais nous, à chaque fois, nous portions notre propre problème et le problème ne finit jamais. Prions le Seigneur et demandons pardon à notre Dieu ce matin. Alléluia.
Alléluia. Tendre Père, je viens te demander pardon ce matin. Je viens, Seigneur, me repentir devant toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout péché que je commets. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, pour tout péché que je commets et qui me loigne de ta présence et qui me ramène loin de toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour tout découragement, Seigneur, que je manifeste. Je te demande pardon, Seigneur, pour toute anxiété que je manifeste. Oh, Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois que je manifeste le manque de foi. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon car mes combats ne sont pas, Seigneur, mes combats, mais ce sont tes combats. C'est toi qui combats pour moi. Je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes les paroles de malédiction que j'ai prononcées contre ma propre vie. Je te demande pardon pour toutes les paroles, Seigneur, que j'ai prononcées contre moi-même. Pardonne mon ignorance. À chaque fois, je disais mon mal. À chaque fois, je disais mon mot de tête. À chaque fois, je disais mes maux de ventre. À chaque fois, je disais mon problème. À chaque fois, Seigneur, je m'identifiais dans le problème. Je te demande pardon ce matin. Pardonne-moi ce matin. Et que ton sang me lave. Que ton sang me purifie, Seigneur, de toute souillure. Que ton sang me lave et me purifie, Seigneur, de toute mauvaise parole que j'ai prononcée contre moi-même. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je reconnais ce matin, Seigneur, que la bataille ne m'appartient pas, mais la bataille appartient à l'Éternel. La bataille appartient à l'Éternel. Je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, maintenant tu vas prendre autorité. Alléluia. La Bible déclare, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Rien, absolument rien ne pourra vous nuire. C'est pour cela ce matin, bien-aimé, nous allons prendre autorité. Tu vas dire ce matin que je lis ou encore je renverse toute mauvaise parole prononcez contre moi au nom de Jésus. Renverse toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre toi dans le nom de Jésus. Si tu les connais, tu commences à les citer et tu renverses cela au nom de Jésus. Si tu connais, si tu ne connais pas, tu dis seulement en général, je renverse au nom de Jésus toutes mauvaises paroles envoyées ou prononcées contre moi. Prions le Seigneur, alléluia, alléluia. Au Seigneur ce matin, Seigneur, je me lève encore. Père, et je prends autorité. Je lis et je renverse, Seigneur, toute mauvaise parole qui a été prononcée contre moi, Seigneur, au nom de Jésus. Toute mauvaise parole qui a été prononcée contre ma destinée, Seigneur. Je l'ai détruit ce matin, maintenant, au nom de Jésus. Car David dit, chaque matin, j'exterminerai le méchant. Oui, Seigneur, ce matin, j'extermine toutes les mauvaises paroles qui ont été prononcées contre moi, dans le nom de Jésus. Ce matin, je prends autorité, Seigneur. Je renverse toute mauvaise parole qui a été envoyée contre ma destinée, contre ma maison, Seigneur, contre mon épanouissement, contre ma réussite, contre ma vie spirituelle, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je renverse ce matin toute mauvaise parole qui a été prononcée contre mes enfants, contre, Seigneur, la vie de mes enfants, que cela soit brisé ce matin, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, je lis toute mauvaise parole envoyée, prononcée contre ma famille, contre mon couple, contre mon mariage, contre ma destinée, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prendre autorité. Vous savez, des fois tu vis une délivrance, tu vis la délivrance, mais il y a comme quelque chose qui persiste, qui ne te quitte pas. Il y a comme une malédiction ou un problème qui est là mais qui ne te quitte pas. Il est toujours là, il persiste, ce problème est en train de persister. C'est pour cela ce matin tu vas dire je commande à toute malédiction têtue. Alléluia, les malédictions têtues, ça ne quitte pas, c'est toujours là. Tu vas dire je commande à toute malédiction têtue qui persiste dans ma vie de retourner à l'envoyeur au nom de Jésus. Que ça retourne à la personne qui a envoyé ça au nom puissant de Jésus. Bien aimé, prions ensemble, alléluia, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, ce matin, Seigneur, je commande ce matin à toute malédiction têtue, à toute malédiction, Seigneur, qui persiste dans ma vie, de retourner à l'envoyeur ce matin, au nom puissant de Jésus. Que cela retourne à l'envoyeur, dans le nom puissant de Jésus. Je commande à toute malédiction, Seigneur, qui persiste, à toute mauvaise parole, qui persiste dans ma vie, de retourner à l'envoyeur, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que toute mauvaise parole qui persiste, toute mauvaise
toute malédiction, qui persiste dans ma vie puisse maintenant retourner à l'envoyeur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Car Seigneur, à la croix, tu as porté ma malédiction. À la croix, tu as porté mes infirmités. À la croix, Seigneur, tu as porté ma maladie. À la croix, Seigneur, tu as déchiré tous les actes dans les ordonnances condamnées ma destinée. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé. Alléluia. Tu vas prier encore ce matin. Alléluia. Nous sommes en train de détruire toutes les mauvaises paroles qui ont été dites contre nous. Alléluia. Contre toi. Alléluia. Tu vas dire ce matin, je détruis tous tes faits. Il y a des effets. Des effets qui peuvent suivre, des effets de paroles maléfiques. S'il y a des effets dans ta vie, tu vas dire ce matin, je détruis tout effet de paroles maléfiques et leurs conséquences dans ma vie dans le nom de Jésus. Tu dois détruire les effets et les conséquences. Alléluia. Tu dois les détruire ce matin au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Oui Seigneur, je détruis ce matin. Je détruis tout effet de paroles maléfiques. Alléluia. Et leurs conséquences dans ma vie dans le nom de Jésus. Seigneur, tout effet qui peut avoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans ma fertilité. Tout effet qui peut se manifester, Seigneur, dans mon travail. Tout effet qui peut se manifester dans mon épanouissement. Seigneur, je brise cela ce matin dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je détruis tout effet de paroles maléfiques et leurs conséquences dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je détruis tout effet de paroles maléfiques et leurs conséquences dans la vie de mes enfants, dans le nom de Jésus. Je détruis tout effet de paroles maléfiques et leurs conséquences dans ma maison, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je commande ce matin à toute puissance maléfique, arrêtez sur ma destinée de mourir, de mourir, de mourir au nom de Jésus, de mourir au nom de Jésus, de mourir au nom de Jésus. Alléluia. Je commande à toute puissance maléfique, arrêtez sur ma vie, arrêtez sur ma santé, arrêtez sur ma réussite, arrêtez sur ma vie spirituelle, de mourir au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin, que toute incantation faite contre ma destinée, contre mon mariage, contre ma fécondité, contre mon épanouissement, contre mon abondance, contre ma guérison, alléluia, contre ma joie, meurt au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Retourne à l'envoyeur. Alléluia. Retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bien-aimé, fais cette prière avec foi. Fais cette prière avec conviction. Fais cette prière avec sérieux. Je t'assure que ce que tu es en train de faire a une conséquence irréversible dans le monde des ténèbres. Il y a une conséquence puissante. Ce que tu es en train de dire, tu es en train de renverser toutes les mauvaises paroles qui ont été dites contre toi. Bien-aimé, il y a des paroles qu'on a dites contre toi, mais toi-même tu ne sais pas. Tu n'es pas au courant, tu ne sais pas. Il y a même des gens qui t'ont parlé seulement en blaguant comme ça. Une simple blague où on te dit quelque chose, mais la malédiction est déjà rentrée. J'ai déjà vu des choses comme ça. Alléluia. On te dit seulement un ami, une amie avec qui tu parles, qui te dit seulement une chose en blaguant. Toi, dès que tu acceptes cette parole, elle devient une réalité dans ta vie. Alléluia. Faites très attention. Moi, je connais une personne qui passait son permis en même temps que son mari. Alors, l'ami de la dame lui dit, de toute façon, c'est ton mari qui aura le permis avant toi, tu l'auras après. Tu l'auras sur... C'est toujours les hommes qui ont le permis avant. Bien-aimé, le mari avait le permis, la femme n'a toujours pas eu le permis jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'elle avait accepté la parole de cette amie qui lui avait dit juste en blaguant que les hommes sont forts, toi, lui, il aura le permis avant toi, toi, tu ne l'auras pas. Et ça s'est passé comme ça. Elle a accepté cette parole-là. C'est pour ça qu'il faut briser, briser, briser. S'il y a une parole que tu reconnais qu'on a dit même sur ton enfant, tu dois la briser. Tu brises cette parole-là. On avait dit ça sur mon enfant. Je brise cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, tu vas déclarer ce matin, alors que nous arrivons vers la fin, tu vas déclarer ce matin, tu vas dire maintenant, je déclare que le feu du Saint-Esprit en moi brûle. Brûle toute puissance de sorcellerie au nom de Jésus. Nous avons le feu du Saint-Esprit en nous. Quand le feu du Saint-Esprit est en toi, ce feu-là brûle toute la puissance de la sorcellerie au nom de Jésus. Ça brûle automatiquement. Ça brûle la puissance des sorciers. Ça brûle la puissance des incantations. Ça brûle. C'est très important d'être rempli du Saint-Esprit. C'est très important d'être rempli du feu du Saint-Esprit. C'est pour cela, ce matin, tu vas déclarer que le feu du Saint-Esprit en moi brûle toutes les puissances de la sorcellerie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia.
Alléluia. Oui, Seigneur, ce matin, je déclare que le feu du Saint-Esprit en moi brûle toute puissance de sorcellerie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, ce matin, que le feu du Saint-Esprit en moi brûle toute puissance d'envoûtement au nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit en moi brûle toute parole, toute puissance de parole prononcée, suspendue contre ma destinée, suspendue sur ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit en moi brûle toute incantation maléfique qui a été prononcée contre moi dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin que le feu du Saint-Esprit brûle toute pratique occulte dans le nom puissant de Jésus. Toute pratique occulte qui a été faite contre ma destinée, contre ma vie, est brûlée par le feu du Saint-Esprit en moi dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous devons retenir une chose ce matin, c'est que quand deux paroles se confrontent, celle qui est soutenue par la puissance de Dieu finit toujours par avaler celle qui est soutenue par la puissance du diable. Alléluia. Donc si on a dit une malédiction contre toi, si on a dit des choses contre toi, que ce soit ta maman ou je ne sais pas la famille, l'oncle, je ne sais pas qui, si on a dit des choses contre toi, si tu es en Christ, toi tu es soutenu par la parole de Christ. Quand toi tu parles, tu soutiens ta parole, tu soutiens tes phrases, voilà, par la parole de Dieu. Et quand tu soutiens tes phrases par la parole de Dieu finit toujours par avaler la parole du diable. Alléluia. Et c'est pour cela que le serpent de Moïse avait avalé tous les serpents de Pharaon, des magiciens de Pharaon. La parole de Dieu a toujours une puissance sur la parole de l'ennemi. C'est pour cela que j'encourage une personne ce matin, n'aie pas peur. N'aie pas peur parce que Jésus-Christ a déjà vaincu le diable. Il est déjà vaincu. C'est toi qui dois être transformé dans ta pensée, dans ton intelligence pour dire que tu as la victoire. Comme nous avons lu avec David, ce n'est pas ton combat. Alléluia. Ce n'est pas notre combat, mais c'est le combat de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas notre bataille, c'est la bataille de Dieu. C'est Dieu qui combat pour nous, ce n'est pas nous. Nous constatons juste la victoire. Ce n'est pas notre bataille. C'est très important. Et des fois, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'un chrétien peut être attaqué comme ça? Pourquoi est-ce qu'une parole de malédiction peut tomber sur moi qui est chrétien? Je vais vous donner une réponse et nous allons terminer par là, parce que c'est très important. Nous allons lire dans Hébreux 5 au verset 12. À partir du verset 12. Parce que comment je suis chrétien? Je suis chrétien, mais s'il y a des paroles qui me suivent, pourquoi est-ce que ces paroles sont en train de me suivre et ça ne devrait pas? Et c'est vrai que ça ne devrait pas. Hébreux 5, à partir du verset 12, la Bible dit, alors que vous deviez, hein, c'est ça, hein? Non. Vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Alléluia. L'apôtre Paul dit, vous en effet qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venu à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Alléluia. 13. Or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est important, bien-aimé, de grandir. Si tu veux sortir des fléaux de la langue, si tu veux sortir des malédictions, des mauvaises paroles, si tu ne veux pas que ça te touche, tu dois grandir. Ici, l'apôtre Paul est en train de dire, il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, nous devons être des maîtres, alléluia. L'ennemi ne peut pas jouer avec nous, nous devons être des maîtres. Mais si nous ne sommes pas des maîtres aujourd'hui, c'est parce que nous avons encore besoin qu'on nous enseigne encore les rudiments, nous sommes encore vraiment aux miettes. Nous sommes encore au niveau du lait. À chaque fois, tu as besoin du lait. Non, tu dois rentrer dans une intimité grande avec le Saint-Esprit. Tu dois grandir avec le Seigneur. Et quand tu grandis avec le Seigneur, bien-aimé, tu vas parler comme David. Tu n'auras pas peur.
tu seras peut-être petit. On va te voir petit comme ça. Mais quand tu arrives devant le Goliath, tu dis qu'aujourd'hui, je vais te donner ta chair aux oiseaux du ciel. Je vais donner ta chair aux chiens. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur. Tu n'auras pas peur des vaudous. Tu n'auras pas peur des féticheurs. Tu n'auras pas peur des sorciers. Pourquoi? Parce que tu sais que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu auras une assurance avec Dieu. C'est pour cela qu'il est important de grandir, bien-aimé, ami de la tour de prière. Il est important de grandir. Nous rentrons à chaque fois dans la prière, nous prions, mais il est important que nous puissions faire un bilan pour savoir est-ce que nous sommes en train de grandir. Est-ce que spirituellement nous sommes en train de grandir? Est-ce que notre intelligence, notre pensée est en train d'être renouvelée? Est-ce que nous sommes vraiment renouvelés aujourd'hui? Est-ce que nous constatons un accroissement de notre vie spirituelle? C'est très important. Plus tu grandis, plus aucune malédiction ne va subsister sur toi. Mais quand tu ne grandis pas, ça risque de subsister. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le fait de connaître la vérité, tu es affranchi. Très important. Voilà, nous avons terminé pour ce matin. Je vais prier pour la fin. Je tenais vraiment à partager ça avec vous. Et j'espère que ça fait du bien à une personne. C'est très important de grandir et pour pouvoir sortir de toute parole mauvaise qui a été prononcée contre nous, de toute parole de malédiction qui a été prononcée contre nous. Alléluia. Je vais prier pour la fin. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom, Père. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous as accordé dans ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a encore rajouté un plus dans notre esprit. Merci pour ta parole qui nous a encore fait grandir ce matin. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour tes grâces et tes faveurs que tu as, Seigneur, accordées à chaque personne connectée. Père, je te remets cette journée entre tes mains, Seigneur. Qu'elle soit pour nous une journée, Seigneur, remplie de grâce, remplie de paix, Seigneur, remplie de miracles. Oui, Seigneur, que tes miracles nous accompagnent en cette journée, Seigneur. Et que, Seigneur, mon Dieu, tu puisses veiller sur nous. Que tes anges nous gardent et nous protègent, Père. Contre, Seigneur, toutes les attaques, Seigneur, visibles et invisibles au nom de Jésus. Seigneur, je déclare en cette journée que le soleil ne va pas nous frapper. Je déclare en cette journée, Seigneur, que la flèche qui vole de jour ne va pas nous atteindre. Je déclare en cette journée, Seigneur, que toute, Seigneur, incantation maléfique qui sera lancée dans l'air ne nous atteindra pas au nom de Jésus. Seigneur, je te remets, Seigneur mon Dieu, les rendez-vous de chaque personne. Je te remets, Seigneur, le travail de chaque personne, que tu puisses nous garder dans ta présence. Père, je te prie en cette journée que tu nous éloignes encore du péché, que nous ne puissions pas nous rapprocher du péché, mais que nous puissions nous éloigner du péché et que nous puissions être dans ta présence. Garde-nous dans la sanctification pour que, Seigneur, si tu revenais aujourd'hui, que nous puissions partir avec toi. Garde nos cœurs, Seigneur, en Jésus-Christ. Garde nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, que nous ne puissions pas sortir des frontières de ta parole, que nous ne puissions pas rentrer dans le découragement, que nous ne puissions pas abandonner la foi, mais que nous puissions rester dans ta parole et que nous puissions rester fermes dans le nom puissant de Jésus. Père, bénis chaque personne et que tu nous fortifies encore, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Nous disons trois fois Amen. 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 Shalom, ma sœur Annie. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube Tour de prière Semeur pour plus d'édification.